Et bonjour à tous, surtout pour la suite aventure de Pokémon Le Souffle des Ténèbres. On est sur la fin de l'aventure. J'ai pris le temps de level up tous mes Pokémon niveau 48. C'était extrêmement long. Les derniers niveaux étaient un vrai supplice. Y a pas un petit dernier truc là? Est-ce que j'utiliserai pas? PP Max. Est-ce que j'utilise mon dernier super bonbon? Ou est-ce que je le garde pour la suite? Bon, allez, on va l'utiliser. Sur qui est-ce que je vais l'utiliser? Snoopy, vite fait. Après, j'ai peur d'être un peu trop haut niveau, si c'est 48. Bon, de toute façon, faut que j'utilise. Allez. Hop, on utilise. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh. Tu es parvenu jusqu'ici. Ne pensez pas qu'un enfant serait capable d'un tel acharnement. Le professeur Cyrus, le disque Rome, le repère, tu as su déjouer nos plans tout seul. Bon, il n'y a pas eu que toi. Les reportages de l'ONBS n'ont pas aidé la cause du groupe Ombre. Cependant, je n'abandonne pas. Je vais bientôt arriver à mes fins. Tu as le droit de savoir ce qui va se passer. La création de Pokémon obscurs impossible à purifier n'était que la première étape. Je prévois de former une armée de Pokémon obscurs. Ils seront tous sous mes ordres. Quand cette armée sera sur pied, je pourrai alors conquérir le monde. Je n'aurai besoin de personne. Il n'y aura que moi et mon armée. Maintenant... Je vais te présenter mon fidèle serviteur. Il sera la figure de proue de mon armée de Pokémon obscurs. Lugia ? Approche, XD-001. Stylé. Les dernières mises au point ayant été effectuées, je te présente le Lugia Obscur. Ce Lugia est le premier Pokémon obscur impossible à purifier. Célébrons un peu cette réussite, affronte mon Lugia Obscur. Niveau combien ? Oh, il est quand même bien stylé. Il est tout seul. Allez. Souffle noir. Regardons un peu les dégâts quand même. S'il fait trop de dégâts... J'ai pas regardé... Oh là, c'est la paralysie sur les deux. Ah non, c'est la défense sur les deux. Ah, niveau 50. Ok. On va faire un casse-brique. Bon, c'est pas très efficace. J'aurais peut-être même dû faire un super sensu, c'était sans doute mieux. C'est bon, vol et haut. Oh, 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 oh. Oh, il est paralysé. Oh. Un dernier laser glace et on va commencer à balancer des hyperboles.
On pourrait utiliser la Master Ball. Mais où est le beau jeu? Ouais, ça, je me doute que ça va être compliqué de le choper. Aéro noir? What? Un casse-brique. On va essayer de le mettre au moins dans le rouge. Voilà. Ok, il est paralysé. Parfait. Donc là, maintenant, je peux hyperbole de nouveau. Et on va refaire un autre casse-brique. Let's go! Lugia! Comment oses-tu? Comment as-tu pu voler mon Lugia obscur? Il ne reste plus rien. Je verrai personnellement à ce que tes Pokémon soient réduits à néant. Ton heure a sonné. Oh, il ouvre les yeux. What? Un sulfura? Oh. Ouais, il y a vraiment tous les Pokémon obscurs. Ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Ardeur noire. Ouch. Je rate mon attaque. Mais c'est pas vrai. Oh là là. Ah, ouch. Est-ce qu'on fait un parasport? C'est quand même chaud. Je pense qu'il y a un parasport sur le Rhino Féroce. Allez, survie. Survie tant bien que mal. Là maintenant, faut espérer la paralysie. Ah bon, bah il utilise sur Sporel. Après là, il est possible à capturer. Une hyperbole maintenant, ça se fait.
Hyper Ball maintenant. Oh ouais, allez quand même. Et on va faire une folie sur Sulfura. Ok. Et de 1. Noix de coco. Une autre folie sur le noix de coco aussi. Voilà. Ça va commencer à m'aider. Presque m'aider. Allez, survie. Non. Sur Nostro, Nostro, Nostro. Oh non. Bon, va falloir que je commence à réciter un peu certains Pokémon là. À faire des rappels. Une bonne cage éclair, ouais. Et on va... Non, je veux pas changer de Pokémon, je veux utiliser un rappel. Ouais. Autant utiliser des rappels max. Ouais, Marlou en premier. Ok. Morsure. Ou je change de Pokémon tout de suite. Non, une morsure. Ah mince, c'est pas Psy. Ouh. Peut-être fait un peu idiot là. Pas assez réfléchi. Soit paralysé. Ou attaque. Ok, je survis. Ouh. Ok. Hyper Ball. Et toi, tu vas te soigner. Je peux tenir une attaque sombre, enfin une attaque obscure là, mais je peux pas en tenir deux sur le même Pokémon. Ok. Deuxième. Tauros. Ok, ça me dérange pas trop. Le combo confusion plus paralysie, ça marche plutôt pas mal.
Ok. Ben, c'est plus confus. Ah, et tu vas en folie le sulfura. Ok. On est pas mal là. On va bientôt pouvoir le capturer. D'ailleurs, on va commencer à essayer de voir si on peut pas le capturer maintenant. Et toi, tu vas morsure le Tauros. Mince. Ok, la trouille. Et toi, tu vas te taper. Parfait. Là, il est dans le rouge. Allez. Oh non, mais vraiment? Bon là ça commence à puer un petit peu. Ok. Ne te tape pas plus, Sulfura. Je peux pas faire grand chose de plus. Je peux faire un rappel sur un autre Pokémon. Sur Sporel, hop. Allez. Là, ça capture là. Il est confus, paralysé, dans le rouge. Vraiment? Allez, soit paralysé. Bon, il attaque. Ça, je peux tenir. Allez, Sulfura, faut que tu rentres dans la Pokéball. Vraiment? Ok, il n'est plus confus. Ça me va. C'était quoi ça? C'était un coup critique ou il fait tellement de dégâts? Ouh, c'est juste. Allez, là, les hyperboles. C'est dommage que je puisse en lancer qu'une seule à la fois. Mais vraiment? Mais qu'est-ce que je peux faire de plus?
bon, si le Tauros n'est plus confus, je peux faire normalement une morsure. Tant que je ne crit pas la morsure, ça devrait bien se passer. Par contre, il faut vraiment que je capture ce sulfura. Mais non, ça a été presque. Non, presque, presque, presque. Bon, je vais essayer de capturer le Tauros, hein. Oh, les dégâts! Bon, je vais balancer sur Tauros. Et Nostro, toi, tu vas soigner Zapoul. Allez, Tauros, t'es mon ami. Reste dans la Pokéball. Ok. Ils sont mieux que les légendaires. Articuno, évidemment, va avoir les trois Pokémon légendaires. Et ça va être une horreur à capturer, cela. Oh, coup critique sur Nostro, de toute façon, il était mort. Et Brimstone. Commencer à faire un rappel sur Nostro. Froid noir. Ouf. Ok. La cage éclair est passée. Ok, il me bloque. Ok, il n'y a plus la pluie. J'aurais peut-être dû investir un peu plus dans les hyper potions. Je pensais pas que j'allais autant galérer à capturer des légendaires. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il y en a au moins un qui se fait paralyser, c'est bien. Est-ce que j'utilise autre chose? Une chronoball? Testons. En vrai, je sais pas si ça va passer une super, mais essayons de voir. Ok, j'ai tenu. Ok.
Ah, je suis brûlé. Ah, peut-être mon caisson. Ça, j'évite de brûler. On va réutiliser des hyperboles, hein. Il faut que ça passe. Ok. Elector. On va faire un cage éclair et une morsure sur l'articodin. Est-ce que je peux même... Est-ce que je peux faire une cage éclair sur le Elector? Ok. J'ai plus du coup, j'ai plus besoin de Zapool. Donc on va se focus sur l'articodin. Là, ce qu'il faut que je récupère, c'est Nostro. Il faut que je confuse Elector. Mets en lumière. Pourquoi pas. Et en folie sur le Elector. C'est vrai que j'avais complètement oublié le mur en lumière. Je sais pas si ça passe. Autant le faire, on sait jamais. Ça augmente un peu la défense. Enfin, défense spéciale. Ok. Oh oui, ça marche bien. Moi, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Je pense pas que ça le tue. Ouais, largement ça le tue pas. Ah, il refait ça. Que je commence par envoyer des hyperboles. Pourquoi pas? Allez. Ouais, évidemment. Encore un petit peu de dégâts. Je vais envoyer Snoopy. De toute façon, Snoopy peut pas vraiment attaquer. Donc je vais juste raise les autres et on va rester avec les autres. Hein. Ouh. Ah dommage, Zapool est mort.
Marlo, tu vas venir. Tu vas nous faire un pistolet à eau sur le hardcode. Ah. Tu nous fais un laser glace sur l'élector et toi tu vas nous faire une morsure sur l'article 1. Ouh, c'est juste. Ok, et parfait. Attends, mais... Je me demande si éclair noir, là, ça peut toucher Marlowe. Si ça touche pas, c'est génial. Allez. Ça va être complicado. Ouh. Ok, il est plus confus. Parfait. Ah, bah ça touche quand même Marlowe. Ah, j'ai plus de mise en lumière. Mince. Faut que j'arrive à remettre le mur en lumière. Le mur en lumière, c'est quand même bien pété. C'est vrai qu'une petite amnésie maintenant, là, serait pas mal. Mais on va faire un rappel sur... Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, Zapoule. Pour le mur en lumière et une hyperbole sur le Articodin. Critique? Ah ouais. Y a des chances quand même que ça passe. Allez. Tant qu'il m'attaque pas trop. Parisé, parfait. Je vais pouvoir mettre le mur en lumière de nouveau. Le petit soin du reste. Comme ça, je peux remettre le mur en lumière. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne le mur en lumière. Par contre, les hyperboles, ça ne fonctionne pas. Ah, si, quand même, hein. Sinon j'aurais pris bien plus. Va falloir que j'utilise des rappels, absolument. Si j'utilise pas de rappel, je suis mort. Let's go.
Allez, plus qu'un. Amnésie et hyperbole. Je pense que je peux le tenir si je commence à balancer des tonnes d'amnésie comme ça. Augmente beaucoup. Ah oh ouais, je le tiens bien là. C'est pas grave. Enfin, un petit peu, mais c'est pas trop grave. Juste petit guérison. Hop, comme ça on est bien sûr. Il reste plus qu'à balancer des tonnes d'hyperboles. En vrai, je sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que je pourrais balancer des chronoballs. Allez. Let's go! Tout capturé, boum! Non! Tout est envoyé au PC. Comment? Un enfant? Comment un enfant a-t-il pu tout faire échouer? Que se passe-t-il? C'est impossible! Ah, c'est de ta faute. Tu vas le payer. Je ne te pardonnerai jamais. Ah non, pas un autre combat. Grand maître, tout est fini. Nous allons faire exploser les ténébras avec l'enfant? En faisant ça, nous détruirons toutes les données sur les Pokémon obscurs, ainsi que tous nos employés. Comme si tu avais quelque chose à foutre de tes employés. Grand maître, ce ne sont que des choses remplaçables, exactement. Nous devons assurer notre propre survie. Un hélicoptère est prêt à nous faire évacuer. Nous devons partir immédiatement. Tu as raison. Attendez. Attendez, je vous en prie. Vous pouvez sacrifier tous ces gens pour assurer votre survie? C'est répugnant. Répugnant? Avec tes scrupules idiots, tu risques de laisser le groupe Ombre disparaître. Nous devons survivre. C'est notre devoir. Le grand maître est d'accord avec moi. Oui. Nous devons faire des sacrifices pour assurer l'avenir du groupe. Que dites-vous? L'usine de Pokémon Obscur a été détruite. XD01 s'est révélé être un mauvais combattant. Il ne reste plus rien du groupe Ombre. Silence, ce n'est pas vrai. Si seulement cet enfant ne s'était pas... Grand maître, je vous en prie, veuillez donner l'ordre de faire exploser les ténébras. On ne peut pas en faire autrement. Ne nous juge pas, mon enfant. Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Père. Ils ont vraiment... Ne m'appelle pas comme ça, il est notre grand maître. Putain, ils ont vraiment balancé le truc, je suis ton fils. Oh la vache. Père, vous avez perdu de vue ce qui est vraiment important. Le pouvoir vous est monté à la tête. Il est impossible de conquérir le monde à l'aide de Pokémon. Regardez cet enfant. Son cœur pur a triomphé de XD01. Nous étions du mauvais côté. Silence, silence, silence! Comment peux-tu dire ça, après tout ce que nous avons fait? Le groupe Ombre n'est plus. Vous, plus que quiconque, père, vous devriez l'avoir compris.
Bon, lui, il va pas s'arrêter, hein. Lui, il va continuer. Levez-vous à présent. Ça va se passer de cette façon. Nous devons nous rendre. Oh, tout ce que j'ai fait, ce n'était qu'une énorme erreur. Grâce à ton courage, tu nous as ouvert les yeux. Nous te remercions. Tu n'as plus rien à craindre de nous. Tu peux rentrer chez toi avec ta famille. J'espère avoir la chance de te revoir, maintenant que nous ne sommes plus tes ennemis. J'ai du mal, mais vraiment du mal, à les croire. Eh ben, let's go! Fin de l'histoire de Pokémon Le Souffle des Ténèbres. Je pense qu'on va du coup s'arrêter là, et de toute façon, ça va me ramener sans doute au... Comment? Ah! Ah non, ça va peut-être me mettre au crédit. Allez, vas-y. Ouais, les crédits. Parfait. Et bah du coup, ça a été compliqué, mais pas tant que ça, je dirais. Le combat de fin, bah du coup, c'est pas vraiment ce que j'appelle un combat Pokémon. C'est plus t'essaies de capturer des Pokémon qui ont des attaques hyper efficaces contre toi, tout le temps, quoi que tu fasses. Et puis c'est tout. Je sais pas, c'est pas vraiment trop ce que je dirais qu'on attend d'un jeu Pokémon sur ce point-là. Mais sinon, c'est plutôt ok. Les combats doubles, c'est toujours cool. Je trouve que c'est vraiment très cool. Le fait de capturer des Pokémon, de devoir les purifier, qui sont des techniques un peu spéciales, tout ça. C'est cool, l'histoire est sympathique, mais sans plus. Je pense que je préférais quand même le premier Pokémon, le Colosseum. Je pense que le Colosseum, j'ai préféré plutôt que celui-là. Après, au moins, on était tout seul. On se baladait pas avec quelqu'un qui nous collait au basque pour nous dire « Hey, je vois que celui-là, c'est un Pokémon obscur. » Après, c'était dans l'histoire, t'étais obligé. Il y a eu pas mal de moments drôles aussi. Mais je trouve quand même que le Colosseum était un peu plus dark que celui-là. Alors que c'est, lui, c'est le souffle des ténèbres, ouais. Et Bulldisco, dans ce jeu, c'est plus un personnage vraiment secondaire, alors que dans le Colosseum, c'était plus... Enfin, il était secondaire aussi, mais il était quand même bien principal. Tu le voyais très souvent, t'avais un truc où t'allais dans son repère, là, c'est vraiment... Il n'y a plus rien et il a chopé juste les Pokémon obscurs que tu crois sur le chemin. C'est un peu dommage. Parce que j'aime beaucoup Bulldisco. Les musiques de Bulldisco sont
Génial. Eh ben, c'est la fin. Ah oui, du coup, c'est les deux petits Pokémon qui sont apparemment de la 4G, qui étaient en, entre guillemets, teaser. Et ben du coup, c'est la fin. On a terminé l'histoire de Pokémon Le Souffle des Ténèbres. Mais ce n'est pas la fin du jeu. Car, je l'ai dit un peu plus tôt, ou dans l'épisode d'un encore avant, il nous reste encore les cartes du bingo, les holo combats. Il nous reste à capturer encore des Pokémon obscurs, je crois qu'il nous en manque encore. Et il nous reste à faire toute la tour combat. Les 100 étages de la tour combat que j'adore faire. Que j'adore faire, mais bon, faut voir, parce que je sais pas combien d'épisodes on en est, je sais pas si ça sera très intéressant non plus, mais les petits combats en tour combat, c'est toujours sympa. Surtout de voir ce qu'il y a en haut. C'est ce qui m'intéresse le plus, ce qu'il y a en haut. Et du coup, bah, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Tchuss!